Tous les mercredis sur Disney Junior. En avant pour l'exploration. Ça va être mouvementé. Dans une super grande galaxie. C'est notre seul espoir. Avec un petit turbocompresseur. Stella, activation galactée. Pour voler plus haut. Vos vaisseaux sont les seuls à être protégés par un écran galactique. Pour voler plus vite. Ça va vite. Et vivre une aventure encore plus grande. C'est vraiment très cool. Rejoins Miles et sa famille intergalactique dans les nouvelles aventures de Miles dans l'espace. Tous les mercredis à 17h30 sur Disney Junior. En septembre sur Disney Junior. En avant pour l'exploration. Ça va être mouvementé. Dans une super grande galaxie. C'est notre seul espoir. Avec un petit turbocompresseur. Stella, activation galactée. Pour voler plus haut. Vos vaisseaux sont les seuls à être protégés par un écran galactique. Pour voler plus vite. Ça va vite. Et vivre une aventure encore plus grande. C'est vraiment très cool. Rejoins Miles et sa famille intergalactique dans les nouvelles aventures de Miles dans l'espace. En septembre sur Disney Junior. De Miles. Salut, moi c'est Miles Callisto et voici mon meilleur ami Marc. Je porte mon nouvel uniforme Galactech parce qu'aujourd'hui je vais essayer mes nouvelles ailes Galactech. Grâce à elles, je peux planer dans le vent tout en gardant un très bon contrôle. S'il y avait un petit cercle sur cette montagne, je pourrais atterrir dessus. Hey Marc, tu veux bien voler jusque là-bas pour me dessiner un cercle? Il faut qu'il soit parfaitement rond. Allez, c'est parti! Oui! Pour augmenter la vitesse, Turbo LS activé. Oh, c'est plus difficile à contrôler que je le pensais. Oh. Oh. Sphère de protection activée. Tu vois, j'ai atterri dans le cercle. Reviens bientôt me voir essayer d'autres options galactiques. Message de Miles. Salut, moi c'est Miles Callisto et voici mon fidèle robot autruche Marc. Je porte mon uniforme Galactech tout neuf parce qu'aujourd'hui, Marc et moi on va essayer mon tout nouveau laser angle Galactech. Ce laser angle là peut faire un pont. Imagine que je veuille descendre jusque là-bas entre les deux arbres. Alors je ferai ça. Super stellaire! Oh oh, j'ai perdu le contrôle du laser angle. Marc, attrape-le, vite! Laser angle, stop! Hé, j'ai réussi à atterrir entre les arbres. Je me demande ce qu'il peut encore faire de merveilleux. On dirait que Marc préfère le découvrir une autre fois. Alors reviens bientôt nous voir essayer d'autres options galactiques. Les messages de Miles. Salut, moi c'est Miles Callisto et voici mon robot autruche Marc. Et ma maman, le capitaine Phoebe Callisto. Bonjour. Je porte mon nouvel uniforme Galactech parce qu'aujourd'hui nous allons voir à quelle vitesse je peux ranger ma chambre avec mon accélérateur Galactech. Il a démarré très vite. Ça y est, tu es prêt? 3, 2, 1, 0. Oh oh. Je ne peux plus m'arrêter. C'est très difficile à contrôler. J'ai mis combien de temps? Tu as fait le tour de la stélosphère en 17 secondes. Mais tu n'as certainement pas rangé ta chambre. Et à mon avis, je vais encore avoir quelques petites choses à ranger. Reviens bientôt me voir essayer d'autres options galactiques. Mais la prochaine fois, je rangerai ma chambre sans mon uniforme. Les messages de Miles. Salut, moi c'est Miles Callisto et voici mon robot autruche Marc et ma sœur Loretta. Salut. Comme tu le vois, je porte mon uniforme galactique tout neuf parce qu'aujourd'hui, on va essayer une nouvelle option. Mes jambes à ressort galactique. Loretta a besoin qu'on nettoie le dôme. Comme ça, toutes ses plantes auront plus de lumière. Mes tomates te diront merci. Je t'en prie. Et c'est parti. Wow. C'est encore plus facile que je le pense. Ah, wow. Tu ne t'étais jamais servi de tes jambes à ressort, n'est-ce pas, Mike? Comment t'as deviné? Regarde, le dôme est nettoyé.
Merci beaucoup. C'est quand tu veux. Reviens bientôt me voir essayer d'autres options galactiques. Mais ne sois pas surpris si je ne suis pas à côté. Les messages de Miles. Salut, moi c'est Miles Callisto et voici mon robot autruche Mark. Comme tu peux le voir, je porte mon nouvel uniforme galactique. Parce qu'aujourd'hui, nous allons essayer ma turboplanche galactique. Comme on n'a pas beaucoup de temps, Mark a prévu un petit entraînement. On quittera cette planète dès que papa aura réparé l'astromobile. Alors, voyons ce que cette turboplanche améliorée peut faire. Essayons d'aller plus vite. Désolé, papa. Comment arrêtes-tu cet engin? Je ne sais pas du tout. Appuie sur l'un des boutons. Ça déclenche les écrans par choc. J'en essaye un autre. Parachute. Merci, Mark. Oh, regarde, nous avons fini notre entraînement. Dommage qu'il n'y ait pas de mode massage de dos. Oh. Reviens bientôt me voir essayer d'autres options galactiques. Les messages de Miles. Salut, moi c'est Miles Callisto avec mon robot truche Mark et mon grand ami Haruna Kitumba. Salut, ça va? Cette créature derrière, c'est un Grac. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment gagner un Cosmo Badge de voyageur de l'espace en montant un Grac. Règle 1, ne jamais surprendre un Grac ou il sursautera. Règle 2, un Grac se fatigue très vite. Alors l'arrêt peut être assez soudain. Vous êtes prêts? Tu es sérieux là? Allez Grac, on y va. Prépare-toi à l'arrêt soudain. On a gagné le Cosmo Badge. Oui. Et voilà comment on monte un Grac. Reviens bientôt nous voir gagner d'autres Cosmo Badges de voyageurs de l'espace. Oui, c'est bien mon grand. Les messages de Miles. Salut, moi c'est Miles Callisto et voici mon robot autruche Mark et mon grand ami Melvin Mendelssohn. Salut. Aujourd'hui, on va te montrer comment gagner un Cosmo Badge de voyageur de l'espace en cueillant des baies belles couleurs. S'il te plaît, emmène-nous là-haut, Mark. Ah non, parce que pour gagner un Cosmo Badge, on n'a pas le droit de voler. Oh, ce n'est pas vrai. Essayons de grimper. D'accord. Oh, j'ai une idée. Forme de sable. Galactique, Melvin. Mark, je peux monter sur ton dos? Je n'arrive pas à les attraper. On a gagné nos Cosmo Badges. Oui. Et voilà comment on cueille des belles couleurs. Et s'envoler. Reviens bientôt nous voir gagner d'autres Cosmo Badges de voyageurs de l'espace. Les messages de Miles. Salut, moi c'est Miles Callisto et voici mon robot truche Mark. Et voici ma sœur Loretta. Salut. Aujourd'hui, on va vous montrer comment gagner un Cosmo Badge de voyageur de l'espace en prenant des photos de Coco Rose. C'est un extraterrestre qui ressemble à ça. Mon bracelet indique que les Coco Rose vivent ici, seulement je n'en vois aucun. Regarde bien. Ton bracelet, il faut le leur reprendre, viens. Rattrape-les. Ils sont là. Allez les amis, rendez-le-moi. Youpi, beau travail Mark. Oh mais on n'a pas pu prendre de photos d'eux avant qu'ils partent. Je crois que c'est raté, on n'aura pas nos Cosmo Badges aujourd'hui. Regarde Miles, on a des photos, ce sont eux qui les ont prises. Oui, galactique. Youhou, on a gagné nos Cosmo Badges. Reviens bientôt nous voir gagner d'autres Cosmo Badges de voyageurs de l'espace. Les messages de Miles. Salut, moi c'est Miles Callisto. Je m'adresse à toi depuis la Lune, où l'on rebondit quand on marche. C'est parce qu'ici la gravité est faible. Et voici mon robot truche Mark et mon grand ami Bludger le gluant. Waouh, je n'arrête pas de rebondir. Aujourd'hui, on va te montrer comment gagner un Cosmo Badge de voyageur de l'espace en installant une tente sur la Lune. Waouh, et en plus elle ressemble à la Lune. N'oublie pas, même s'il n'y a pas de vent ici, fixe toujours ta tente avec des piquets. Sinon, elle va rebondir. Comme ça. Oui. Mark. Je vais bien.
Et voilà. On a gagné nos cosmobadges. Oui, génial. Reviens bientôt nous voir gagner d'autres cosmobadges de voyageurs de l'espace. On peut faire griller des guimauves sur la Lune. Les messages de Miles. Salut, moi c'est Miles Callisto et voici mon robot autruche Mark. Et lui c'est mon ami Bludger le gluant. Je crois que Bludger n'a pas trop l'habitude d'être filmé. Salut, tu penses que les gens nous regardent là? Salut tout le monde. On va vous montrer comment gagner un Cosmo Badge de voyageur de l'espace en faisant un déjeuner tout en étant en apesanteur. Étant donné que tout flotte en apesanteur, il va falloir tenir nos ingrédients. Gravité désactivée. Et maintenant, il suffit... Hein? Oh oh, rattrapons-les. Hé, hey, regardez la gelée, on dirait moi. Salut, petit Bludger. J'ai le pain. Tada! Et voilà un sandwich fait alors qu'on est en apesanteur. Ça y est, on a gagné nos cosmobadges. Oui. C'est bon, on peut manger. Bien sûr, Bludger. Reviens bientôt nous voir gagner d'autres cosmobadges de voyageurs de l'espace. Du lundi au vendredi sur Disney Junior. Cet été, embarque avec la famille Callisto. Phoebe Callisto. Montre-moi la voie la plus rapide qui mène à la constellation. Léo Callisto. On est l'équipe de surfeurs père et fils qui assure le plus. Loretta Callisto. Baisser le tachygraphe sonique, c'est assez compliqué. Miles Callisto. Activation du Cosmocom en mode course. Pour un voyage à travers l'univers, mieux vaut emporter les bons outils. La zérangue, lancez. Cet été, retrouve Miles dans l'espace. Du lundi au vendredi à 17h30 sur Disney Junior. De lundi à vendredi sur Disney Junior. Embarque pour une semaine spéciale avec la famille Callisto. Montre-moi la voie la plus rapide qui mène à la constellation. Léo Callisto. On est l'équipe de surfeurs père et fils qui assure le plus. Loretta Callisto. Baisser le tachygraphe sonique, c'est assez compliqué. Miles Callisto. Activation du Cosmocom en mode course. Pour un voyage à travers l'univers, mieux vaut emporter les bons outils. La zérangue, lancez. Retrouve ta semaine spéciale Miles dans l'espace de lundi à vendredi à 9h25 et 16h50 sur Disney Junior. Tous les mercredis, Disney Junior t'invite à prendre part à une aventure futuriste hors du commun. Wow, ça c'était intense. Miles dans l'espace débarque sur Disney Junior. Oui, youpi. Retrouve Miles Callisto. Âge 7 ans, espèce humain. Galaxie. Et son meilleur ami Mark. Espèce robot autruche. Ils vont explorer la galaxie. Galaxie. Découvrir des formes de vie alien. Attention, main gluante. Et faire toutes sortes de rencontres. Embarque à bord du Stellosphère. Famille Callisto à l'écoute. Avec la famille intergalactique de Miles. Capitaine Callisto, on a besoin de vous. Sa mère. Phoebe Callisto, fonction capitaine. Il faut qu'on se dépêche. Tout le monde au Stargator. Son père. Léo Callisto, fonction ingénieur. Je construis une nouvelle astrofusée. Oh, attention. Et sa grande sœur. Loretta Callisto, âge 11 ans. Loretta, tu es la meilleure grande sœur de tous les temps. Je sais être sympa. Rejoins la famille. Destination verrouillée. À la découverte de la galaxie. Allumage en cours. Alors, tu es prêt? On décolle. Je suis plus rapide que la vitesse du son. Ah, spatio-tunnel. Le futur. Je vais régler ça. Et galaxique. Galaxique. Ça, c'est la vraie vie. Champion. Retrouve Miles dans l'espace tous les mercredis à 16h50 sur Disney Junior. Lundi 31 août sur Disney Junior. Embarque pour une aventure intergalactique avec la famille Callisto. Phoebe Callisto. Montre-moi la voie la plus rapide qui mène à la constellation. Léo Callisto. On est l'équipe de surfeurs père et fils qui assure le plus. Loretta Callisto. Baisser le tachygraphe sonique, c'est assez compliqué. Miles Callisto. Activation du Cosmocom en mode course. Pour un voyage à travers l'univers, mieux vaut emporter les bons outils. La zérangue, lancez. Alors rendez-vous pour 4 épisodes à la suite de Miles dans l'espace, lundi 31 août à partir de 9h25 sur Disney Junior. Miles, Miles, Miles dans l'espace. Miles, Miles, Miles dans l'espace. Faites entrer le champion des Détaliens. Wow. Qui va jouer contre lui? Nous n'avons pas encore décidé.
On ne connaît même pas les règles du jeu. Le premier qui touche ce disque jaune a gagné. Mais soyez prudents. Chaque obstacle réserve une surprise différente. Il faut s'attendre à tout. Oh, ça ressemble au jeu Galaxias. C'est moi que vous devriez choisir. Non, je n'en suis pas si sûre. Moi non plus. Mais si, il faut choisir Miles. Vous l'avez déjà vu jouer au Cosmo-jeu. Il est très impressionnant. Vous devez choisir un joueur, sinon déclarer forfait. Miles va représenter notre famille. Eh bien, c'est parfait. Tu vas y arriver. Nous avons confiance en toi. N'oublie pas que c'est notre seule et unique chance de retourner chez nous, sans te mettre la pression. Miles, fais attention au disque violet. Quand on arrive dessus, on reste bloqué. Merci, Ryan. Et maintenant que le jeu du Kalok commence. C'est pareil que mon jeu Galaxias. Et j'adore y jouer. Bravo Max, continue. Wouh. Oui. Mon petit frère, oui, c'est le meilleur. Tu vas y arriver. Tu vas gagner. C'est lui, notre champion. Oui. Wow. J'ai l'impression que ce disque l'empêche de sauter. Oh, oui, tu as raison, Mark. Miles, rappelle-toi, ce n'est pas grave de tomber tant que tu te relèves. Miles, Miles, Miles dans l'espace. Tous les mercredis, Disney Junior t'invite à prendre part à une aventure futuriste hors du commun. C'était intense. Miles dans l'espace débarque sur Disney Junior. Oui, youpi. Découvre Miles Callisto, âge 7 ans, espèce humain, galaxie, et son meilleur ami Mark, espèce robot autruche. Ils vont explorer la galaxie, découvrir des formes de vie aliens, main gluante, et faire toutes sortes de rencontres. Embarque à bord de la stélosphère. Famille Callisto à l'écoute. Avec la famille intergalactique de Miles. Capitaine Callisto, on a besoin de vous. Sa mère. Phoebe Callisto, fonction capitaine. Il faut qu'on se dépêche. Tout le monde au Stargator. Son père. Léo Callisto, fonction ingénieur. Je construis une nouvelle astrofusée. Oh, attention. Et sa sœur. Loretta Callisto, âge 11 ans. Loretta, tu es la meilleure grande sœur de tous les temps. Je sais, être sympa. Rejoins la famille. Destination. Verrouillée. À la découverte de la galaxie. Allumage. En cours. Alors, tu es prêt? On décolle. Je suis plus rapide que la vitesse du son. Ah, spatio-tunnel. Le futur. Je vais régler ça. Et... galaxique. Galaxique. Ça, c'est la vraie vie. Champion. Découvre ta nouvelle série Miles dans l'espace tous les mercredis à 18h15 sur Disney Junior. Décollage immédiat sur Disney Junior avec ta nouvelle série Miles dans l'espace. Attention, on arrive. On décolle. Toutes les familles ont besoin d'un peu d'espace pour vivre. Passe en vitesse lumière. Mais celle-là a son propre univers. Oui, galaxie. Bienvenue dans le futur avec une famille qui va te faire découvrir tous les secrets de la science. On va rattraper cette navette, sauver son pilote et on sera revenu à temps pour le dîner. Oui. Retrouve Miles dans l'espace, ta nouvelle série sur Disney Junior. Sur Disney Junior. La liaison entre la planète Terre et Miles est activée. Miles Callisto va répondre à vos questions. Connexion opérationnelle. Salut, c'est galactique de te rencontrer. As-tu des questions à me poser sur la vie dans l'espace? Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour un voyageur de l'espace? C'est une très bonne question. Ma turboplanche m'aide à circuler. Oh, waouh, c'est vraiment globulaire. Mon Cosmocom me permet de communiquer avec ma famille. Maman, papa, je crois qu'on a localisé Loretta. Et nos missions seraient très différentes sans mon meilleur ami, Mark. Ça, c'est super. Connexion désactivée. Retrouve Miles dans l'espace sur Disney Junior. La liaison
liaison entre la planète Terre et Miles est activée. Miles Callisto va répondre à vos questions. Connexion opérationnelle. Ici Miles Callisto. Pose-moi toutes les questions que tu veux sur le cosmos. Comment est ton vaisseau spatial? Mon vaisseau s'appelle une stélosphère. Stella, active l'écran cosmique. Il y a une salle de contrôle. Données entièrement collectées. Une navette qu'on appelle le Starjetter. Destination? Verrouillée. Allumage? En cours. Et notre vaisseau parle aussi. Les Callisto, tout le monde sur le pont. Appel de la tour de transit astrospatiale. Famille Callisto, on vous écoute. Ça, c'est génial. Connexion désactivée. Retrouve Miles dans l'espace sur Disney Junior. Sur Disney Junior. La liaison entre la planète Terre et Miles est activée. Miles Callisto va répondre à vos questions. Connexion opérationnelle. Salut! C'est galactique de te rencontrer. As-tu des questions à me poser sur la vie dans l'espace? Est-ce que tu as déjà vu des aliens? Oui, dans l'espace, je rencontre toutes sortes d'aliens. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bludger le gluant. Il y en a des grands et des petits. Attention, main gluante! Il y en a aussi qui sont microscopiques. Alors tu dois faire très attention à ne pas marcher dessus. Ce sont des extraterrestres qui recherchent la lumière. Ils repèrent des objets très lumineux et ils les dégustent au dîner. Wow! Connexion désactivée. Retrouve Miles dans l'espace sur Disney Junior. Bientôt sur Disney Junior. Les explorateurs ont toujours eu la tête tournée vers le ciel, voulant atteindre les confins de la galaxie. Mais dans le futur, un aventurier n'aura qu'à utiliser sa turboplanche pour atteindre les étoiles. Miles from Tomorrowland. Découvre ta nouvelle série Miles dans l'espace, bientôt sur Disney Junior. Tous les mercredis sur Disney Junior. Retrouve Miles, ton nouvel ami. Explorateur spatial et spécialiste des extraterrestres. Miles te donne les meilleurs conseils pour éviter les grands dangers et autres mauvaises surprises de l'espace. Avec Miles, deviens un véritable expert spatial. Les messages de Miles, c'est nouveau et c'est à ne pas manquer. Tous les mercredis à 18h15 sur Disney Junior.